Salut l'école, je suis à Yellowstone Park et je voulais vous dire un peu ce que j'ai vu, ce que j'ai beaucoup aimé. Et moi, il y avait un geyser qui a fait ça, j'ai beaucoup aimé. C'était comment ça? Ça sortait du sol, non? Ouais, ça sortait du sol. C'est incroyable. C'était hein. Méga, méga chaud. Comme de la vapeur d'eau, hein. Et on a maman, le premier jour où il y avait le geyser, là, et ben, elle nous a offert des cahiers de ranger. En fait, c'est ceux qui protègent le parc. On les finit là, et puis quand on aura fini, on va les montrer aux rangers, aux adultes, et après ils vont nous donner un badge. To help protect. And learn about the parks and animals and rocks. And history. Be nice to my sister and be happy. Last time I watched Wolves in Paris. Yay! Junior Rangers from France! Good job, ladies! Can you tell them about Be Nice? Congratulations! Congratulations! Yay! So you have a patch like we do, and I would give you a sticker of our badges also, and we have pins. You can help in the meantime, you can pin them on if you'd like. Thank you. You are welcome, and I... Alors, il vient de se passer un truc génial. Nell, raconte-nous. Bah, en fait, on a gagné nos badges. Mes badges, tu le montres? On a gagné nos badges et on a eu un cahier. Et c'est ça qu'on a eu les badges. Genre, c'est pour ça. Et c'était pourquoi que vous avez eu ces badges? Grâce à quoi? Grâce à je ne sais plus comment elle s'appelle. À Angela, qui est une ranger. Qui est une ranger. Qui est une ranger et... On va laisser la continuer, Mibel. Qui est une ranger. Et du coup, elle a vérifié nos cahiers parce qu'on a dû parcourir le parc pour avoir ses badges. Et du coup, elle a regardé. Et puis, tout était juste. Et vous avez répondu à des questions sur quoi? On a répondu... C'était sur quoi? C'était sur... Parfois sur la forêt. Ouais. Sur les geysers, sur les bisons. Dis. Et toi, Nel? Et aussi, on a vu des cerfs sur la route la nuit. Super. Et donc, en fait, c'était pour protéger le parc Yellowstone, c'est ça? Oui, c'est oui. Ça. Oui, et du coup, pour protéger aussi la planète? Ouais. La nature, en tout cas, les animaux. D'accord. Et elle vous a fait faire une promesse, j'ai vu. Vous avez mis votre main où pendant cette promesse? Sur le cœur. Vous avez fait une promesse de cœur avec Angela, de ranger à ranger, pour protéger la planète, c'est ça? Et est-ce que vous pouvez nous montrer la danse que vous avez dû créer, la danse du geyser qui est derrière vous? Allez-y. C'est parti. Attention. La petite danse du geyser. Bravo.
Et on saute. Yeah. Woohoo. Et derrière, qu'est-ce qu'on voit? C'est quoi là? C'est le geyser. Vous vous souvenez de son nom? Non, pas trop. Tellement on a fait d'aventures, on a dû. Donc du coup, on s'en souvient pas trop. C'est sûr. Mais il s'appelle le Old Faithful Geyser. Ça veut dire le vieux fidèle. Parce qu'en fait, toutes les heures et demie à peu près, qu'est-ce qu'il fait? Il crache de l'eau bouillante. Oui. Ouais, comme notre danse, tu vois. Quand on saute, ça veut dire que là, le geyser, il est en train d'exploser. Exactement. Et après, ça tombe. Et tout à fait. C'est ça notre danse. Et en fait, là, il y a eu plein de gens. Et ça a vraiment fait. Il y avait de la fameuse. Il y avait beaucoup de fumée qui sortait. Comme ça. Bam! Yes. Et est-ce que vous savez sur quoi on est là? On est sur un volcan. Oui. Bravo, les filles. On est sur un énorme volcan. Vous vous rendez compte? Qui a créé tout ça. C'est magique, non? Ouais. On fait un bisou à tout le monde. Bisous tout le monde. Du Yellowstone Park, on le dit? Yellowstone Park. Wouh. Wow. Bah alors. Voilà, à plus l'école.